suis Anne du blog La Mécanique pour les filles.com et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque je vais chercher une voiture en Angleterre. Donc selon le titre de la vidéo, vous avez déjà deviné de quelle voiture il s'agissait. Je suis déjà sur la route, il est 6h du matin, donc ce qui explique mes petits yeux et le manque de lumière à l'extérieur. Donc je vous emmène pour la journée avec moi, c'est parti! Tunnel sous la Manche pour prendre l'Eurotunnel à Calais. Alors me voici dans l'Eurotunnel. J'avoue que c'était une première fois. J'avais déjà pris l'Eurostar mais jamais l'Eurotunnel. Donc en fait c'est simple, hein, on rentre littéralement notre voiture dans le wagon et on doit rester à l'intérieur de la voiture le long de la traversée, enfin durant la traversée, qui dure quelques minutes. C'est vraiment très confortable. On vient de débarquer de l'Eurotunnel, donc il fait gris. On est à Folkestone et on va prendre l'autoroute. Et voilà la bête, Maserati Gran Turismo. Avec une sellerie beige. Qui est plutôt en bon état. Me voilà à bord de la Maserati. Et peut-être que vous entendez déjà le beau bruit. Je vais avoir le plaisir de la tester dans quelques instants. Voilà, la journée est terminée, je viens de rentrer. Il n'est pas de bonne heure. Je suis un petit peu fatiguée parce qu'on a fait l'aller-retour dans la journée. Mais c'était une super expérience. Une excursion comme ça, forcément, se prépare assez longtemps en avance. Notamment tout ce qui est administratif. Hein, il y a pas mal de choses à voir avec la réglementation anglaise et votre assurance à vous. Pour être assuré aussi le long du trajet retour si vous conduisez en cas de pépin et même en temps normal. Donc voilà, pas mal de choses à faire. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo spéciale avec toutes ces démarches administratives à faire, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et pourquoi pas ben, vous faire une vidéo spéciale sur ce sujet. Moi je vais aller me coucher, hein, donc je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide 5 points de contrôle pour rouler en sécurité et je vous dis à bientôt, bye bye.